Miss France 2023, ce somptueux appartement dans lequel Indira Ampio va désormais s'installer. Ce samedi 17 décembre 2022, Indira Ampio a été sacrée Miss France 2023. La jeune femme qui a longtemps rêvé du titre va désormais défendre pendant un an, l'image de l'élégance à la française. Un devoir qui lui offre un petit privilège, celui d'occuper pendant un an un appartement à titre gratuit, et quel appartement Elle l'a fait. À 18 ans, Indira Ampio a survolé la compétition devant les 29 autres prétendantes au titre. Ce 17 décembre 2022, dans la salle du MACH 36 de Châteauroux dans la région Centre-Val-de-Loire, la toute jeune fille est devenue Miss France 2023. Une véritable consécration pour cette étudiante en communication, qui a déclaré vivre un rêve éveillé au moment où Diane Leir a posé la couronne sur sa tête. Celle qui représentait initialement la Guadeloupe repart, comme le veut la tradition, avec les bras chargés de cadeaux. Certes, le voyage pour deux à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ne lui semblera guère dépaysant, mais elle appréciera toutefois le téléviseur géant, le téléphone portable, la voiture, la robe de soirée ou encore les parures de bijoux qui accompagnent ses nouvelles fonctions. Et surtout avec la couronne et l'écharpe, vient un appartement dont la jeune Miss va profiter gracieusement, tout au long de cette année de règne. Un bien au cœur de Paris. C'est dans un quartier on ne peut plus chic de la capitale qu'Indira Ampio va poser ses bagages. L'appartement des Miss France 2023 est situé dans le 17e arrondissement de Paris, à quelques pas de l'Arc de Triomphe et non loin de ce que l'on appelle le Triangle d'Or, partie du 8e arrondissement délimité par les avenues Montaigne, des Champs-Élysées et Georges V, note de la rédaction. Composé de deux pièces, le bien offre, selon nos confrères d'eau féminin, une décoration chic, sobre et élégante. Avec un emplacement idéal, à faire pâlir d'envie Stéphane Plaza, il est supposé faciliter l'ensemble des très nombreux déplacements que fera la nouvelle reine de beauté. Il y a quelques semaines, Diane Leir a quitté l'appartement pour retrouver son petit studio. Elle y a laissé à l'attention de la nouvelle locataire des lieux un petit cadeau de bienvenue qui devrait lui être précieux dans les semaines à venir. Au fil du temps, certaines mises ont confessé avoir laissé volontairement des bibelots et quelques objets de décoration en guise de souvenirs dans l'appartement. Certaines seraient même allées jusqu'à laisser un mot dans les toilettes. De la lecture en perspective pour Miss France 2023.